Bonjour et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir sur cette chaîne avec tout le contenu qui est déjà disponible. Je vous invite à le découvrir ou à le redécouvrir en allant par exemple sur les playlists et de trouver par catégorie le différent contenu en fonction des thèmes. Un nouveau rendez-vous est partagé avec vous, intitulé « Élévation de pensée ». C'est un rendez-vous quotidien, tous les jours à 7h du matin. Je souhaite ici faire avec vous une proposition d'utilisation de ce contenu. La première façon, c'est de vous laisser au gré de votre humeur découvrir le contenu. Donc, vous souhaitez faire une pause et puis vous prenez un petit quart d'heure pour justement faire cette pause dans la journée et vous détendre, vous apaiser, élever vos pensées. Voilà une première façon d'utiliser. Une deuxième façon d'utiliser serait de vous fixer un rendez-vous dans la semaine, soit un rendez-vous hebdomadaire, soit un rendez-vous quotidien, et puis de profiter de ce contenu pour justement faire cette petite pause régulière dans votre semaine. Une autre façon serait de fixer un rendez-vous dans votre foyer avec tous ceux qui partagent votre vie au quotidien et de vous servir de ce contenu comme un support d'échange et de réflexion au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Et puis, si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez continuer à écouter et emmagasiner des idées, des connaissances pour que vous puissiez un jour prendre votre rendez-vous par vous-même, en lisant par vous-même et en faisant vous-même ce genre de réflexion, soit tout seul, avec tous ceux qui viendraient y participer, qu'ils soient incarnés ou non, et le faire aussi en groupe, quand vous avez des visites, ou tout simplement avec ceux qui habitent avec vous, qui vivent avec vous. Voilà. C'est une façon d'emmagasiner des connaissances pour que justement on puisse par la suite venir piocher dans cette base de connaissances et nourrir ainsi une discussion. Voilà, c'est quelques utilisations que je vous propose ici d'expérimenter. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre ici en commentaire. Et peut-être même, si vous avez d'autres idées de contenu que nous pourrions ici mettre en œuvre et partager sur la chaîne, vous êtes les bienvenus, dites-le moi, et je ferai en sorte de mettre en vie toutes ces belles idées. Voilà. Je sais que j'ai beaucoup d'idées, ce qui manque c'est les petites mains, c'est effectivement du temps pour la réalisation, mais avec de la bonne volonté, on peut aller partout, on peut arriver à bon port. Voilà. Un grand merci pour votre fidélité, votre écoute, et puis je vous invite à choisir une de ces utilisations, une de ces manières d'utiliser le contenu, et puis de vous familiariser avec ces différentes idées pour qu'un jour vous puissiez être à l'aise avec avec ces mêmes idées et les partager dans votre vie avec ceux que vous croisez, avec tous ceux qui croiseront votre chemin. Voilà. Alors, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ces différentes utilisations et de différentes idées que vous pouvez avoir. Voilà. Un grand merci. À très bientôt. Bonne découverte, bonne écoute, bonne pratique.